Dans notre belle boutique de tricot à Saint-Bruno. Je suis un petit peu enrhumée ce matin, donc j'ai des mouchoirs pas loin, juste au cas où j'aurais envie d'éternuer. J'espère que ça n'arrivera pas trop souvent pendant la vidéo. Bienvenue à tout le monde. Si jamais il y a des gens qui se joignent à nous pour la première fois, moi je suis Louise, je suis la fondatrice avec Patrick des boutiques de tricot Les Laines Biscottes, des laines teintes à la main biscottes. Donc, ça me fait plaisir de vous accueillir dans notre vidéo hebdomadaire. C'est une vidéo qu'on vous présente à toutes les semaines, les dimanches matins à 9h, heure de Montréal, heure de l'Est. Et puis, on vous parle des nouveautés qui sont arrivées en magasin, des nouveaux modèles qu'on vous présente. Donc, ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Bon matin, là, je vois quelques commentaires apparaître à l'écran. Et pour la première fois cette semaine, on essaie de faire aussi Instagram. Donc là, j'ai deux téléphones parce que, avec l'application que j'utilise pour présenter les vidéos en direct là, sur les multi-plateformes, j'ai de la difficulté à le faire avec mon application. Donc là, on le fait avec deux téléphones. Fait que j'ai deux téléphones qui me regardent en ce moment. C'est un peu intimidant. Mais c'est pas grave, vous êtes là, donc ça va me donner la motivation pour vous mener à bien cette vidéo. Je vais commencer cette semaine avec le projet qu'on vous a présenté dans l'infolettre de dimanche, qui est un cal. Donc, un cal, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un knit alone. C'est une abréviation anglophone, évidemment, comme vous l'avez bien compris, qui veut dire tricot de groupe, en fait. Donc, ce que ça veut dire, c'est que plutôt que tout le monde tricote un projet, chacun chez soi, dans son salon isolé, chacun de son côté, eh bien, en faisant un cal, on a tout le monde tricote le même projet en même temps et se regroupe. Soit ça peut être évidemment en personne, mais la majorité du temps, ça va être en virtuel parce que les tricoteuses de partout peuvent participer. Donc, dans le cas du cal qu'on vous présente aujourd'hui, c'est un châle qu'on vous présente qui est le châle Vénus. C'est un châle que j'ai écrit il y a quelque temps avec la belle laine Mérica de la collection de Patrick Knits. Donc, le cal, en fait, commence le 25 avril. Donc, tout ce que vous avez à faire, si vous avez envie de participer et de tricoter ce projet, c'est de vous procurer soit le patron ou le kit de tricot Vénus. Et puis, à ce moment-là, vous allez pouvoir automatiquement être inscrit, en fait. Là, t'sais, c'est juste de vous procurer le patron ou le kit pour le tricoter. Et si vous allez vous procurer dès aujourd'hui, vous allez recevoir un premier document PDF qui va vous inviter, si ça vous tente, à vous joindre à nous sur Facebook. On a créé un groupe Facebook spécialement pour le cal, donc pour cet événement. Donc, si vous voulez vous joindre à nous, vous allez pouvoir le faire immédiatement. Et le patron va être envoyé de façon automatisée le 25 avril pour que tout le monde puisse commencer en même temps. C'est un modèle de châle, comme vous pouvez voir ici, qui est triangulaire. Et de la façon qu'il est tricoté, c'est qu'évidemment, comme tous les châles, on commence ici, on commence au centre en haut. Merci, j'ai vu, je pense que c'est Nathalie qui me dit que j'ai un beau chandail. Merci, je vais vous en parler par la suite. Donc, ce cal ici va être, on démarre ici avec une couleur et ensuite de ça, on va progressivement augmenter. De la façon que les augmentations sont faites, c'est que je vais me reculer pour vous le montrer. Donc, vous avez une partie qui augmente au centre du châle et de part et d'autre de ce V. C'est un peu ce qui a inspiré aussi le nom du châle, c'est que ça vous fait un V un peu dans le centre ici quand vous le tricotez. Là, ça, c'est le sens du tricot. Donc, vous avez un V au centre et de part et d'autre de la partie centrale, vous avez des chevrons qui se créent. Donc, ça fait jouer un peu les rayures, ça fait jouer les couleurs. C'est une façon de tricoter un châle qui sort peut-être un peu d'ordinaire. Allô, bon matin! Bon matin. Donc, on a Félicia qui vient d'arriver ce matin. Et puis, donc, c'est ça. Donc, le cal est un projet vraiment, je pense, qui va être intéressant dans le sens où c'est quand même un... Allô, Mégane! Hello. C'est quand même un patron qui est traditionnel, dans une forme de triangle traditionnel, mais en même temps qui va vous donner quelques petites techniques différentes à faire avec un jeu de couleurs de part et d'autre. Puis, à la fin... J'ai mis une petite bordure comme ça ici, là, juste pour finaliser, mais vous pourriez le finir
quelqu'un qui n'a pas envie de le faire comme ça pourrait le finir en point mousse ou tout simplement en jersey, là, mais voilà. Donc, local, ici, on vous a offert plusieurs versions de kits à tricoter. Donc, je vous en montre un autre qui a été tricoté par Joanne, notre professeure de tricot, qui est celle qui répond à vos questions en ligne. Donc, souvent, Joanne va tricoter les modèles que j'écris pour pouvoir vous aider avec vos questions. Donc, celui-là ici, qui est une autre version, une autre couleur que j'aime vraiment beaucoup aussi. C'est des couleurs que j'aime beaucoup. Donc, j'ai pas le nom des couleurs avec moi, là, j'ai pas mon petite étiquette, mais je pense qu'il s'agit de avoine, écume et peut-être Chopin. Là, je veux pas vous induire en erreur non plus, mais je pense que ce kit-là aussi, vous pouvez le retrouver en ligne avec exactement les mêmes couleurs. Là. Je pense qu'on a fait 6 kits. Donc, on en a pour tous les goûts. J'ai déjà vu les commentaires dans le groupe Facebook de ceux qui ont fait leur choix. Il y en a qui ont osé avec des couleurs un petit peu plus punchées. Il y en a d'autres qui sont allés dans des valeurs sûres. Ils vont tous être beaux, mais j'ai vraiment hâte de les voir pousser dans le groupe Facebook. Ça va être le fun. Et petite parenthèse aussi, je vais parler du voyage. Je vous en ai parlé pendant quelques semaines du voyage, mais le voyage est déjà complet. Donc, on organise un voyage, les Laine Biscotte, pour aller visiter, dans le fond, le New Jersey et New York. On va aller dans le centre-ville de New York, dans Times Square. On va aller visiter quelques boutiques de laine, dont la boutique de tricot Biscotte dans le New Jersey, à Northville. Et les gens qui participent à ce voyage ont tous choisi leur kit et vont tous participer au CAL pour le faire. Donc, sur place, évidemment, il va y avoir des professeurs, dont Joanne, qui a tricoté cette version-ci, et Diane, qui est un professeur de tricot à Québec, qui va faire partie du voyage et qui va être sur place pour vous aider, en plus de moi, évidemment, qui va être là assez régulièrement là, pour aller vous donner un coup de main. Donc, le voyage est complet. Pour ceux qui se posent la question, toutes les places ont été remplies et on a hâte, ça s'en vient. Justement, c'est le 25 avril, c'est pour ça qu'on a décidé de démarrer le CAL le 25 pour que tout le monde puisse commencer en même temps. Concernant le CAL, est-ce qu'on a des questions? Je sais qu'il y en a qui nous ont demandé, entre autres sur Facebook, j'avais eu la question... on a jusqu'à quand pour tricoter le châle? Vous pouvez prendre le temps que vous voulez. Il n'y a pas de date limite, en fait. Tout ce que ça veut dire, le CAL, c'est que il y a plusieurs personnes en même temps qui tricotent le même projet, puis qu'on peut se rencontrer à quelque part pour en discuter, partager nos questions, aussi poser... partager aussi nos avancées. Des fois, c'est motivant aussi de voir les autres, où est-ce qu'ils sont rendus. Donc, c'est tout simplement ça que ça veut dire, le CAL. Ce n'est pas un CAL mystère, parce que je sais que ceux qui connaissent déjà le concept des CAL connaissent aussi, il y a des CAL mystères. Dans le cas d'un CAL mystère, c'est qu'on va vous dévoiler à chaque semaine ou à chaque laps de temps prédéfini à l'avance une partie du modèle, puis vous savez pas à quoi il va ressembler à la fin. Mais celui-là, c'est pas un CAL mystère, donc vous voyez vraiment le résultat final déjà à l'avance. Vous savez ce que vous allez tricoter et le patron, vous le recevez au complet là au début. Donc, est-ce que c'est pour un niveau avancé le CAL ou quel niveau? Ça, c'est une question que je viens de voir apparaître à l'écran. Non, je vous dirais intermédiaire, non pas nécessairement avancé. En réalité, tout ce que vous devez savoir, le plus difficile, c'est toujours de le partir, OK? Donc, je vous ai vraiment bien indiqué comment placer les marqueurs de maille pour que vous soyez, pour vous guider tout au long du châle. Donc, je pense qu'un coup qui va être parti, ça va être ça le plus difficile parce qu'une fois que le motif est installé, c'est toujours les mêmes rangs qui se répètent avec les couleurs qui vont changer. Donc, c'est pas... je pense que c'est quand même un modèle qui est quand même assez accessible. Je dirais peut-être pas débutant, mais quelqu'un entre débutant intermédiaire. Là, si vous êtes capable de lire un patron, tricoter des mailles en droit, en vert, réaliser des augmentations. Les augmentations dans ce châle-là, je les fais en tricoter la même maille dans le brin avant et dans le brin arrière. En plus de quelques jetés au début, durant. Donc, c'est quand même un modèle simple si on prend le temps de lire comme il faut le patron. Donc, ben de toute façon, si vous avez des questions, il va avoir tout un groupe. On est déjà, la dernière fois que j'ai regardé, on était déjà une cinquantaine de membres dans le groupe Facebook.
Alors voilà, je pense que pour le CAL, c'est ça fait le tour. Si jamais vous avez des questions, ben n'hésitez pas à nous écrire. Il y a toujours aussi il y a quelqu'un qui vient de décrire, ça fait penser à des ailes d'oiseau. Oui, c'est vrai, hein, c'est avec les chevrons là. Donc merci beaucoup. Ben là j'ai beaucoup de commentaires sur mon chandail, donc je pense que je vais le présenter tout de suite. Donc j'ai fini mon chandail que je vous avais présenté dans les dernières semaines. Je vais me reculer pour vous le présenter. Il est tricoté entièrement granola. Et puis, je le commence ici avec un petit... dans le fond, il est tricoté un peu comme une pointe de tarte, si on veut, là. Puis, j'ai augmenté progressivement avec quatre couleurs de granola. Puis, j'étais pas certaine de comment j'allais positionner le dos. J'aurais pu le faire en miroir, mais je ne l'ai pas fait en miroir parce que j'étais pas sûre encore de savoir comment le tricot allait se comporter une fois qu'il serait bloqué. J'avais peur que ça fasse, parce que vu que c'est pas vraiment un tricot traditionnel carré avec des rangs tout à l'horizontale, j'avais peur que ça fasse bouger un peu les côtés. Mais finalement, après blocage, je pense pas que ça va être le cas. Mais en tout cas, vous allez pouvoir le placer de la façon que vous voulez. Le patron est écrit en ce moment, je l'ai écrit en anglais, il me reste à traduire en français. Des fois, je sais pas pourquoi, des fois j'écris le premier jet en anglais, des fois en français, ça dépend comment je file, j'imagine. Donc celui-là, il va être évidemment disponible dans les prochaines semaines. On va essayer de vous le sortir bientôt pour que vous puissiez le tricoter pour cet été si vous l'aimez. Mais c'est quand même, somme toute, deux carrés. C'est juste la façon que le carré est tricoté, mais c'est deux carrés avec on relève des mailles pour les manches. Il y avait Patrick, lui, Patrick, il me disait qu'il préfère quand les manches sont un peu moins grandes. Donc, vous allez pouvoir l'ajuster si, admettons, vous voulez avoir des manches un peu moins... moi, j'ai mis un peu plus d'aisance dans les manches, mais il va être facilement ajustable. Vous avez juste à le coudre un petit peu plus haut au niveau des aisselles pour ajuster les manches à votre goût. Mais voilà, donc je pense que je vais l'appeler, mon premier jet, je l'ai appelé Free Spirit parce que je trouve que quand j'ai commencé ça, j'avais envie vraiment de laisser aller mon imagination. J'ai créé des rayures un peu j'avais envie de me sentir libre dans ce projet-là, d'être de pas trop suivre de contraintes, tout en étant quand même dans un cadre qui est quand même assez simple parce qu'on parle d'un chandail qui est composé de deux carrés, tout simplement. Là, deux carrés, puis après ça, les manches. Puis après ça, on relève quelques mailles ici pour faire l'encolure. J'ai relevé quelques mailles, comme vous pouvez voir ici. Il y a Hélène qui me demande la grosseur de laine. C'est de la granola. Donc, la granola, on est à peu près dans le déca environ. C'est ça. Donc, puis pour les rayures aussi, chose intéressante, si jamais vous avez déjà tricoté la granola, j'ai mis le nombre de grammes que ça va vous prendre pour chaque rayure. Parce qu'il y a des rayures, des fois, ça prend comme 30 grammes. Donc, si jamais vous avez des restants de granola chez vous, vous allez pouvoir peut-être les utiliser pour créer des rayures si vous voulez. Donc, voilà, ça, c'est à suivre. On va demander à une de nos tricoteuses de le tester, de faire une deuxième version, peut-être une autre couleur à vous présenter. Donc, mais merci pour tous vos bons commentaires sur mon nouveau pull Free Spirit. Je passe avec la deuxième nouveauté de cette semaine qu'on vous a présentée. C'est une nouvelle laine de cascade qui s'appelle la Cotton Sox. Et la Cotton Sox, c'est une laine à bas, donc pour ceux qui ont mis le nom Sox, écrit S-O-X là, dans le nom de la laine. Pour la Cotton Sox, vous avez un mélange de coton, 89% coton et 11% nylon. Donc pour tous ceux et celles qui se cherchent une laine à bas qui ne contient pas de laine de mouton, donc, la Cotton Sox est parfaite. Sinon, une autre alternative aussi, il y a toujours la Cobassi de ICO qui a toujours été populaire depuis plusieurs années. Donc, celle-là, c'est un classique. Donc, ICO, c'est H-I-K-O-O. Et le nom de la laine, c'est Cobassi pour coton, bambou et soie. Cobassi, cotton, bambou and silk. Donc, c'est facile de retenir le nom. C'est facile de retenir qu'est-ce qui est contenu dans la laine avec le nom Cobassi.
Donc, pour ce qui est de la cotton socks, c'est une laine à bas. Donc, on vous suggère de tricoter avec. Ça peut être des bas que vous allez porter à l'année longue, mais ça pourrait être des petits modèles d'été. Dans l'infolettre, vous avez mis quelques suggestions de petites sockettes, donc des petits modèles de bas courts. Donc, c'est le type de projet que je vous invite à tricoter avec. Mais si vous allez sur le site de Cascade, ils vous offrent aussi quelques modèles gratuits, dont un patron de bas, un patron de châle. Donc, voilà, c'est la nouvelle coton Lacobacie. Si vous venez à Saint-Bruno, elle est dans le fond du magasin. De toute façon, vous pouvez toujours demander au préposé. Là, aujourd'hui, ça va être Félicia et Mégane qui vont être ici. Donc, pour retrouver la laine. Et on a plein de belles couleurs. Là, je vous ai sorti ces trois couleurs-là ici, mais évidemment, il y en a beaucoup. Une belle collection de couleurs. C'est des couleurs quand même assez neutres et puis des couleurs estivales aussi. Donc, on a des jaunes, un petit vert lime, donc plein de belles couleurs. Je vais vous la montrer de près que vous voyez un peu le look. Je la trouve intéressante. Là, je vais me tasser pour montrer aussi un petit peu sur Instagram parce que j'ai des gens qui me regardent sur Instagram aussi en ce moment. Donc, voilà. C'est juste dans l'uni, oui. On me demande si c'est juste dans, pour l'instant, peut-être qu'éventuellement ils vont en sortir d'autres, mais c'est juste dans les couleurs unies. Donc, si vous allez sur le site lesleinebiscottes.com et vous allez chercher Cotton Socks, vous allez découvrir les couleurs disponibles. Soyez pas inquiets, je vois des questions passer. Si jamais je ne vous réponds pas verbalement pendant cette vidéo en direct, je vais aller commenter puis je vais aller vous répondre par la suite. Donc, ne soyez pas inquiets, je vais répondre à toutes vos questions. Oui, le bleu foncé. Il y a quelqu'un qui dit bleu foncé, on dirait jeans. Oui, c'est ce que j'ai aimé de la couleur. Je vais la montrer comme ça ici, là. Mais oui, je la trouve très belle. C'est pour ça, je ne sais pas pourquoi le bleu a attiré mon attention, puis j'ai choisi deux autres couleurs pour coordonner, pour vous montrer un kit comme ça. Maintenant, j'ai vu tout à l'heure une question passer concernant le cal. Donc, je vais revenir juste rapidement pour dire, si vous voulez choisir une autre laine, je pense que c'était pour ce projet-là qu'on m'a posé la question, qu'est-ce qu'on peut choisir comme autre laine. Vous avez toutes les laines fingering, en fait, qui peuvent fonctionner. Donc, vous avez dans la collection Biscotte, vous avez la Bissoc, vous avez la Flamel, vous avez aussi la Sirius. Dans la collection de Patrick Knits, vous avez la Bissoc aussi. Dans ma collection, il y a la Super Soc. Donc, vous avez beaucoup de possibilités. Puis, évidemment, dans les laines commerciales, il y en a plein aussi. Donc, à vous de voir si, ce qui vous interpelle puis ce qui vous tente le plus de tricoter. Je vous suggère de choisir quand même trois couleurs contrastantes pour qu'on puisse bien voir les rayures parce que le but de ça, évidemment, c'est de voir les beaux chevrons apparaître avec la partie centrale. Maintenant, je vais continuer avec le patron qui s'appelle Into the Woods, qui a été réalisé par Julie Peng. Donc, Julie est notre professeur de tricot, un de nos professeurs, je devrais dire, parce qu'il y en a plusieurs, dans la boutique de Northville au New Jersey. Et c'est également elle qui vous présente habituellement les vidéos en direct en anglais sur Instagram. Donc, si jamais vous voulez aller jeter un coup d'œil à notre compte Instagram, vous allez voir qu'on a quelques vidéos de Julie qui vous parle de nouveautés, de ses coups de cœur, des projets qu'elle a réalisés aussi à partir de la boutique Biscotte de Northville. Donc, Julie nous présente un patron de mitaine qu'elle appelle Into the Woods. Je vais le mettre ici pour vous le présenter. Pardon, oh, j'ai enlevé la petite épinglette. Donc, les mitaines ressemblent à ça ici. C'est des mitaines qui sont tricotées avec la laine Hagrid. Donc, la laine Hagrid, c'est une laine de mérino dans laquelle on a quelques petite bouloche de Donegal. C'est une autre sorte de laine là, qui va venir picoter un peu, donner un effet rustique. Donc, c'est des très belles mitaines. J'adore le motif de torsade qu'elle a créé devant. Donc, je vous le montre en jaune parce que je pense qu'à la caméra, on voit mieux le motif. Donc, des très belles mitaines, je trouve que c'est quelque chose qui se donne facilement en cadeau ou qu'on peut tricoter évidemment pour nous-mêmes.
Et dans la laine à grid, je vous la montre en version nature. Donc, nous, quand on la reçoit avant de la teindre, elle ressemble à ça ici. Puis après ça, on applique la teinture dépendamment des couleurs qu'on veut obtenir. Donc, la laine à grid, c'est une laine habituellement qui va gagner votre cœur, parce qu'habituellement, quand les gens la tricotent, les gens vont l'apprécier beaucoup. Ils vont revenir en acheter d'autres pour réaliser d'autres projets. Donc, c'est vraiment une laine intéressante à découvrir. C'est une laine qui est super wash. Donc, on parle des 85% mérino super wash. Et il y a aussi un 15% Donegal, qui est les petites bouloches, comme je vous disais, là, qui sont insérées dans la laine. Le patron de Julie est disponible. Pardon, j'ai échappé quelque chose, puis ça me fatigue. Là. Donc, le patron de Julie est disponible sur notre site. Vous pouvez vous procurer le patron seulement ou la version kit à tricoter. Donc, on vous offre différentes versions. Et quand vous prenez la version kit à tricoter, ça, c'est valable pour la majorité des projets qu'on vous présente. Je viens de voir une question de Alice qui me demande, est-ce que c'est de la déca? Non, c'est plutôt une worsted. Là, on parle de 165 mètres par 100 grammes. Si ma mémoire est bonne, oui, c'est ça exactement. 165 mètres par 100 grammes, donc c'est vraiment une laine worsted. Vraiment pour tricoter vos projets avec des 4,5, 5, même 5,5, là, dépendamment de l'échantillon que vous voulez avoir. On part d'un 18 à 20 mailles pour 10 cm. C'est ça. Donc, pour la version qui est à tricoter, la version qui est à tricoter vous inclut le patron. Même chose pour le cal aussi, entre autres, parce que si vous achetez le patron seul pour le cal, il est 10 $, mais quand vous achetez un kit à tricoter pour le cal Vénus, c'est drôle, hein? J'ai réalisé que ça faisait un jeu de mots, là, le cal Vénus, quand j'ai commencé à écrire les publications pour ça. Donc, désolée pour le jeu de mots, mais comme ma mère a dit, une chance qu'il ne s'appelait pas vert, le châle, parce que ça aurait fait le cal vert. Donc, petit grain de sel d'humour aujourd'hui. Donc, voilà, c'est le kit Into the Woods, le patron Into the Woods que vous pouvez retrouver en ligne. Et puis, au même titre que le cal, quand vous procurez la laine, le kit à tricoter, vous payez pour la laine, mais le patron est inclus. Ensuite, cette semaine, je vous présente le nouveau Laine Magazine qu'on vient de recevoir. C'est le numéro 20 du printemps, pour le printemps 2024. Donc, le Laine Magazine, évidemment, il y a toujours plusieurs beaux modèles. Vous avez le nom des designers. Là, je vais le montrer ici à mon autre téléphone, parce que ici, vous allez le voir à l'envers sur... je m'adresse à Instagram, là, mais sur Instagram, vous allez voir à l'envers. Sur Facebook et YouTube, vous devriez le voir à l'endroit. Donc, vous avez le nom des participants, des designers et ceux qui ont participé à la création du contenu dans le magazine. Et en plus des modèles, bon, la thématique du modèle, la thématique du magazine, c'est Waterways. Donc, c'est un peu bord de mer, plage, mais au printemps, là. Donc, on vous présente des modèles qui se porteraient, par exemple, au printemps, quand on va commencer à se promener sur le bord de la plage, là, quand il commence à faire un peu plus chaud, une belle petite température de promenade. Donc, c'était la thématique des modèles qu'on vous présente dans cette édition. Et moi, j'avais noté un article, en fait, que j'ai trouvé intéressant. Je ne sais pas pour vous si ça le serait, mais moi, je trouve ça toujours, les statistiques et tout ça, ça m'a toujours intéressée. Et là, ici, il y a un article qui a été réalisé, qui s'appelle Smarter Knitting, et qui vous explique de quelle façon celui-là, c'est pas les statistiques, là, mais lui vous explique de quelle façon l'intelligence artificielle peut vous aider au niveau du tricot, parce qu'on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle depuis le début de l'année, là. C'est quelque chose qui est vraiment d'actualité, si vous vous intéressez un peu à tout ce qui est web et tout ça. Et puis, l'autre article, c'est vraiment un article qui vous donne des statistiques sur les tricoteuses d'aujourd'hui, dans les années 2020. Donc,
qu'est-ce, ça s'appelle « What we knit now », donc « Qu'est-ce qu'on tricote maintenant ?» Et c'est un look sur les années 2020 dans le monde du tricot. Et là, on vous présente plein de statistiques intéressantes, comme par exemple, la majorité des... On dit que le 48% des tricoteuses préfèrent utiliser la version papier de leur patron. Ensuite de ça, quelle technique avez-vous déjà utilisée? Et là, on vous donne des statistiques pour vous dire, bon, il y a 89% des gens qui ont déjà utilisé la technique du German Short Row. Le montage provisionnel, le montage provisoire, 82%. Le rabat à trois aiguilles, 74%. Fait que je trouvais ça intéressant. Le sticking, c'est quand on tricote un projet en jacquard puis on vient le couper dans le milieu pour faire, admettons, ouvrir une manche où il y a 36% quand même. 36%, c'est pas rien, qui ont déjà expérimenté le sticking. Fait que si ça vous intéresse de lire, évidemment, c'est un magazine qui est disponible en anglais, mais quand on est habitué au vocabulaire du tricot, je pense que c'est pas trop difficile à lire, là. Donc, le choix des films, 44% vont tricoter avec du fingering, 30% du déca et 11% sport. Fait que il y a plein de statistiques vraiment intéressantes à découvrir. Il y a quelques recettes aussi pour ceux qui sont gourmands comme moi, entre autres. Ce petit drink qui m'a vraiment donné soif quand j'ai vu l'image. Donc, le Laine Magazine numéro 20, édition printemps 2024, spring 2024, est disponible dans nos magasins et en ligne également. Je vous parle ici d'un nouveau kit à tricoter maintenant qu'on vous offre, qui est le kit Gaïa. Donc Gaïa, c'est un modèle qui a été écrit par Isabelle Racette en 2017, si ma mémoire est bonne. Donc ça fait déjà quelques années, mais c'est un modèle qui est vraiment qui attire vraiment l'attention des tricoteurs, tricoteuses, parce qu'il est dans sa conception. Je vais me reculer pour vous le montrer. Vous voyez, c'est comme on dirait à première vue que c'est un châle. Quand on porte ça, on pourrait penser que c'est un châle qu'on porte, mais il est vraiment tricoté comme un col qui va évoluer en chauffe-épaule. C'est comme ça que je l'appellerais. C'est un chauffe-épaule, mais qui ressemble vraiment à un châle. Donc, vous allez voir les photos du mannequin qu'il porte sur notre site. Là, c'est vraiment un beau modèle. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle a utilisé pour le créer trois écheveaux de fingering, donc de laine à bas, comme celle que je vous ai mentionné tout à l'heure, donc Bisoc, Super Soc, Sirius, Flamel. Trois couleurs. Elle suggère de prendre une couleur unie et deux couleurs peut-être marmicelle ou polychrome ou peu importe, vous choisissez ce que vous voulez. Et puis, c'est un modèle qui évolue avec plein de motifs, plein de textures, plein de points de tricot. Donc, c'est ce qui est intéressant de ce modèle-là, c'est qu'il est vraiment pas plate à tricoter. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Et puis, de la façon qu'il... j'aurais peut-être dû le mettre au début parce que là, je le mets maintenant, j'ai peur de tout défaire mes cheveux, puis que ça je ne veux pas vous imposer ça là, pendant que je suis en train de l'essayer puis de l'ajuster à moi. Mais c'est vraiment un beau modèle qui donne vraiment un beau coup d'œil quand on le porte. Là, puis je pense que ça fait changement aussi du châle traditionnel et des chauffe-épaules qui sont vraiment faites. Souvent, des fois, les chauffe-épaules vont vraiment finir avec une ligne droite horizontale. Celui-là, je le trouve vraiment beau. Puis il donne aussi de l'aisance pour qu'on puisse bouger les bras facilement. Donc, choisissez vos trois couleurs favorites ou sinon, choisissez un de nos kits à tricoter. On a fait une collaboration avec Isabelle maintenant pour pouvoir vous offrir le patron inclus dans le kit à tricoter. Donc, dans le fond, vous économisez la valeur du patron quand vous choisissez un de nos kits à tricoter. On vous en a offert plusieurs versions aussi avec plusieurs couleurs. Et c'est le modèle qui s'appelle Gaïa, donc G-A-I-A. Il y a quelqu'un qui me demande, il y a Suzanne qui me dit que ça serait intéressant de le voir porter. OK, je vais me prêter au jeu. Attendez une petite minute. Ah, bien, finalement, ça a été mieux que je pensais. Donc, voilà à quoi ça ressemble. J'espère que je l'ai bien
Puis vous pouvez le porter comme vous voulez. Et si vous voulez, vous pouvez décider de le porter un peu comme un châle. Tu sais, des fois, on va porter un châle comme ça ici. Donc, vous pourriez décider de le porter comme ça. Si vous avez froid, vous pouvez le descendre un petit peu plus sur vos épaules. La pointe peut être portée d'un côté ou de l'autre. Là. Je vais me tourner juste pour que vous puissiez voir. Alors, c'est le beau modèle Gaïa d'Isabelle Racette qui est quand même assez populaire depuis qu'elle l'a publié en 2017. Il y a plusieurs exemplaires. Si vous voulez voir sur Ravelry les variations de couleurs qui ont été tricotées, il y en a plusieurs. Donc, je vous invite à aller voir sur Ravelry. Et puis, bien évidemment, vous pouvez choisir vos trois couleurs favorites de laine fingering si vous voulez et vous procurer le patron sur Ravelry avec Isabelle. Ou sinon, en version kit à tricoter, on vous offre le patron dans le kit à tricoter. Est-ce qu'on a des questions concernant le modèle Gaïa ou les kits à tricoter ou peu importe ce que je vous ai présenté aujourd'hui? Je pense que non. Je pense que Patrick s'est fié que maintenant je vois un peu vos commentaires pour me laisser toute seule avec les vidéos. Fait qu'il n'est pas là pour me dire si j'ai manqué des questions. Mais bon, je vais vous présenter avant de terminer un petit modèle que je viens de redécouvrir ici à Saint-Bruno. Il est en avant. Question Charles au crochet ou aiguille? C'est tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est tout à l'aiguille. Il n'y a rien qui est au crochet aujourd'hui. La valeur d'achat pour la livraison gratuite, ça dépend où est-ce que vous êtes. Vous avez le détail quand vous arrivez sur notre site, mais généralement, Québec-Ontario, c'est à 100 $ et plus, vous avez la livraison gratuite. Quelle taille as-tu? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y avait différentes tailles dans le Gaïa. C'est possible, je ne pourrais pas vous dire malheureusement, mais je vais me renseigner, je vais vous répondre après. Et je pense que oui, c'est une... Je ne sais pas si c'est une taille standard, on va voir. Comment s'appelle le chauffe-épaule? Le Gaïa, G-A-I-A. Donc, je continue avec le châle que je présente. Ça, c'est un châle que j'ai tricoté il y a plusieurs années, puis il est encore en démo dans la boutique. Je l'ai tricoté dans le temps que je travaillais dans la boutique, dans les premières années. Fait qu'il doit avoir au moins 10 ans. Ce que je trouve le fun, c'est qu'il est encore aussi beau que quand je l'ai tricoté au départ. C'est un châle que j'ai tricoté avec la Drops Alpaca. Et là, je vous la montre. Ça, c'est... Évidemment, ça, c'est pas une nouveauté, là. Ça fait des lunes que Drops roule. Oh, les deux sont à l'envers. Ça fait des lunes que Drops vous propose cette laine. C'est probablement un de leurs plus populaires, une laine des plus populaires dans leur collection de laine chez Drops. Et puis, ça vous prend deux balles de chaque couleur, évidemment, deux couleurs. Là, il est un petit peu, parce qu'il a été accroché sur un crochet, fait qu'on dirait qu'il est un peu déformé en haut, là. Mais sinon, je suis vraiment impressionnée de voir à quel point il est encore resté aussi beau. Et si jamais vous posez la question, la laine qui a été, le patron, pardon, qui a été utilisé, s'appelle « To If By The Sea ». Donc, deux si on va sur le bord de la mer, là, la ma traduction française. Donc, c'est « To If By The Sea ». Probablement même que vous pourriez le retrouver sur mes projets que j'ai faits sur Ravelry. Si vous allez dans mon profil Ravelry, vous allez le retrouver probablement dans mes projets aussi. Mais ça fait vraiment longtemps. Puis, c'est un petit châle. Tu sais, souvent, des fois, les gens qui cherchent juste un petit châle pour mettre sous un manteau de printemps ou quelque chose de pas trop peut-être incommodant, quelque chose de plus léger, ben c'est un beau petit modèle, je pense, à tricoter. Donc, j'avais eu beaucoup de plaisir à le faire, ce châle. Même d'ailleurs, je vous dirais, c'est probablement ce châle-là, la façon qu'il est réalisé, c'est un châle qui est fait en rang raccourci. C'est probablement ce châle-là qui m'a inspiré le modèle que j'ai fait à Cross the Universe, qui est un petit peu plus grand, qui a un peu plus d'ampleur, mais c'est un peu la conception de ce châle-là qui m'a inspiré la façon de faire mon modèle Across the Universe. Donc, le nom, c'est « To If By The Sea ». Et puis, vous allez le retrouver sur Ravelry, là, c'est sûr. C'est là que je l'avais trouvé au départ. Donc, regardez le châle, la taille, dans le fond, qui me fait à peu près la largeur de ma silhouette avec les deux bras ouverts, là. Mais qui est quand même pas trop profond. Donc, un beau petit châle qui s'était tricoté assez,
facilement. On commence par la bordure ici en bas que vous voyez. Donc, un beau modèle, je trouve, pour si jamais vous ne l'avez pas essayé, pour découvrir la Drops Alpaca. Et on a plein de belles couleurs. Ici, là, à côté de moi, c'est toute la Drops Alpaca. C'est là que j'ai pris la laine que je vous présente. Mais il y a vraiment plein de belles... je pense les couleurs que moi, j'avais utilisées... Oui, c'est exactement ces deux-là. Donc, moi, j'avais utilisé la couleur pétrole, je pense. Attendez, ben, c'est écrit sur ma petite... pétrole et... Ça dit jaune, là, mais c'est comme un genre de vert gazon un peu. Là. Donc, la couleur 72-33, celle-là ici, et la couleur 72-40 que j'avais utilisée pour tricoter cette version. Mais il y a tellement de choix de couleurs que vous avez vraiment amplement le choix. Puis, comme je vous dis, c'est un petit projet qui se fait quand même assez rapidement. Puis qui est intéressant à tricoter, qui n'est pas ennuyeux parce qu'on change de motif. Il y a plein de petites textures. La fin est faite en côte comme ça ici. Donc, voilà, j'étais contente de le redécouvrir. Il était ici ce matin sur le présentoir. Puis je me suis dit, ben tiens, je vais le présenter aux gens qui vont venir dans la vidéo aujourd'hui, qui vont se joindre à nous. Sur une note finale, on a terminé la salle de cours à Saint-Bruno. Donc, on va vous la présenter bientôt en photo. On va vous montrer des photos de notre salle de cours. Oui, ils sont déjà en train de tricoter. On l'a déjà étreiné, notre salle de cours. Et puis, c'est ça. Donc, puis dans le fond de la boutique, on a des beaux présentoirs qui ont été installés. Donc, ça nous a offert plus d'espace pour vous présenter encore plus de laine. Donc, plein de belles laines que vous allez pouvoir découvrir aussi en arrière, dont celle que je vous ai parlé tout à l'heure, la nouvelle Cascade Cotton Socks qui est dans le fond de la boutique, si vous voulez venir voir. Et on vous a installé un espace aussi avec des livres. Vous avez un petit banc pour vous asseoir si vous voulez feuilleter les livres, les magazines, prendre le temps de regarder les modèles qui peuvent vous inspirer. Ça, c'est disponible pour vous. Ensuite de ça, à Gatineau, on est allé cette semaine, on a passé quelques jours à Gatineau. La boutique avance bien. Là, l'éclairage est installé, les grilles sont placées, sont positionnées, les grilles au mur. Fait qu'on est rendu là. Il y a une première couche de peinture qui a été donnée par Patrick aussi. Donc ça avance bien. Et puis si jamais il y a des gens, on a reçu déjà des CV, mais si jamais vous connaissez des gens ou que vous êtes intéressés à travailler dans cette boutique, on va avoir besoin de personnel pour remplir pas mal toutes les fonctions. Donc on vous invite à nous contacter à info@biscotte.org, donc biscotte au singulier. info@biscotte.org. Puis on me dit bonne idée, le petit coin lecture. Oui, c'est le fun parce que, tu sais, des fois, on veut prendre le temps de feuilleter les magazines, mais là, vous pouvez vous asseoir puis déposer vos choses puis prendre le temps. On a un petit bar à café, un petit bar à thé aussi du côté des cours. Donc, ça aussi, c'est le fun. C'est une machine Nespresso qu'on a installée avec les petits cups et tout ça. Puis vous avez des bonnes tisanes aussi à déguster si vous êtes comme moi puis que vous êtes fan de tisane. Quelle est l'autre chose que je voulais vous mentionner aussi? Bien, le voyage qui va s'amorcer bientôt le 25 avril qui est complet. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Patrick, toi, t'avais-tu d'autres choses? J'ai-tu oublié quelque chose? Tout a été dit, tout est correct. Parfait. Il me semble que je voulais dire autre chose. Ah oui, c'est vrai que je voulais vous dire. La semaine prochaine, on va être, nous, au Colorado, au Loveland, Colorado, pour le salon Interweave. Donc, la semaine prochaine, je vais vous présenter la vidéo en direct du Colorado, dimanche matin à 9h. Fait que soyez au rendez-vous si vous voulez voir. Je sais pas encore si je vais avoir la chance. Je sais pas à quelle heure le salon démarre cette journée-là. Si on est avant l'ouverture, peut-être que je pourrais même me promener un petit peu pour vous montrer qu'est-ce qu'il y en a. Donc, je sais pas encore comment ça va être, mais je vais être là la semaine prochaine en direct du Colorado, du salon Interweave pour vous présenter la vidéo.
Donc, voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée. Et puis, soyez pas inquiets si vous avez des questions. Je vais vous répondre plus tard si je ne vous ai pas répondu pendant la vidéo. Et vous pouvez aussi continuer à poser des questions. Je vais aller vous lire et vous répondre après, soit aujourd'hui ou demain, ou à l'aéroport demain peut-être, pendant que je vais avoir du temps avant le vol. Je vais aller répondre à vos questions. Donc, merci beaucoup. Bonne journée tout le monde. On se voit la semaine prochaine. Bye.